Et bienvenue à tous, vous êtes sur KO Gaming, on se retrouve pour ce let's play spécial sur Tekken. Donc nous en sommes au Tekken Tag Tournament, je suis donc avec Yuma. Salut Yuma! Salut KO, salut tout le monde. Et donc on va prendre la suite de notre let's play spécial sur Tekken Tag Tournament. Alors, on va faire un petit arcade puisque c'est notre cher ami qui va commencer. Avec un grand plaisir. Voilà, on revient à ton fil. Voilà. Donc là, t'as le choix avec tous les persos. J'avais déjà tout débloqué, c'est mes anciennes sauvegardes. Là, il y a du choix. Donc là, t'en choisis deux du coup. Puisque je rappelle que elle avait déjà essayé Tekken Tag 2 avec moi, mais le premier, elle le découvre aussi. Ogre. Et si tu veux Ogrinette version normale, il est juste à côté. Ouais. Attention, une Team Ogre. Bon, là, il n'y a pas de scénario, ça reprend juste les persos des trois premiers Tekken, mélangés, quoi. Donc là, on va se concentrer sur le jeu, principalement. Bon, il y a à peu près la même palette de coups que dans Tekken Tag 2. Alors, un peu plus lent, évidemment. Mais si tu veux changer, c'est l'une des quatre touches. Si tu veux changer de perso, c'est l'une des quatre touches derrière. Ah, ok. Ah, il fallait le dire avant. Si t'en as un des deux qui crève, bah c'est fini. Voilà, ça c'est son personnage préféré. Hein. On l'a appelé, elle l'a appelé Ogrinette. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de réactions que dans le 2. Hein. On n'est pas dans la même année. Mais c'est le premier Tekken sur PS2, il est quand même pas si dégueulasse que ça. Ouh là là, je crois qu'on va rester coincé au niveau 1. Ah, ça y est, il est trop petit en bas. Ah bah il s'est vengé. Oh, yeah. Ouh, stage 1. Je vais continue. Start pour continuer. Tu peux changer d'équipe si tu veux. Je ne pense pas que tu vas le faire. Alors regarde un peu ce qu'il y a. Ah ouais, tu prends le jaune toi. Ouais, j'avoue que c'est un peu dans la précipitation. Alors, ouais, du coup, bon, par contre, ça garde les mêmes adversaires. Ça fait un peu... Oh dommage, il passe celui-ci, c'était le plus chargé. Celui-ci il passe, il a la moitié de sa barre enlevée. Oh. Je sens que ça va être l'autre en bas, il est en train de pousser. Il se fait en mode je me fais chier. Oh, ça c'est bien envoyé ça. Alors ça fait un petit moment qu'on avait joué à Tekken Tag 2. Et je ne crois pas que tu te souviennes des combos de notre chère Ogrinette. C'est dommage. J'avoue. Je crois que je la retrouve. Oui, je sais. Allez, ne désespérons pas. Ah, voilà. Ah, Nina Williams en mode vieille, avec les cheveux blancs. Alors, il y a 4 costumes par personnage en général. Donc, une touche que tu... quand tu choisis un perso, une touche correspond à un costume, en fait. Oh, il s'y fout littéralement de ta gueule. Moi, j'aurais pas aimé, perso. De toute façon, je sens qu'on va rester coincé ici, j'espère que les... Que les beaux gens qui visionneront la vidéo ne vont pas trop s'ennuyer avec moi, vous allez voir que ce personnage là. Attends, je suis en train de me demander si je l'ai mis en normal le jeu. Ah, 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 ah. Oh, ça y est, on a découvert le Alors, feu. Okay.
Ça c'est bon, c'était le coup. Attends, si tu perds encore une fois, je vais quand même vérifier qu'on est en normal et pas en hard, quoi. Mais moi je jouais en hard, hein, alors. Ah, non plus, je crois. Mais je peux pas aussi. Ah, c'est pas fini encore. Ce serait rigolo hein, que je l'ai mis en hard sans faire exprès. Alors moi j'arrive à rien. Il se fait encore chier en bas. Non, mais c'est incroyable. Je me fais assassiner et l'autre il s'emmerde. Allez. Oh dommage, je t'allais faire un bon truc en plus. Et même pas sans me taper. Oh mais c'est le viol. Même dans le jeu il se fait chier. Je vais trouver un truc. Attends. Ah, pourquoi il veut pas sauter? D'accord, parce que je me fais assassiner, tout simplement. Ouais, j'ai pas fait. Bon, on va vérifier si c'est en hard quand même. Parce que ça me paraît un peu violent quand même. Alors. C'était dans l'émotion. Very hard. Bon, on comprend mieux. Ah ouais d'accord, je l'ai fait exprès. Non, je te jure, je m'en rappelais plus en plus. Ouais, c'est ça, il est aussi bidon là. Merci. Je me suis fait ridiculiser devant tout le monde. Tu me dégoûtes. Ah franchement, là, je t'en veux. Ah mais c'est parce que j'ai l'habitude de jouer comme ça. Et encore, il y a ultra hard en plus. Bah, ça va là. Il y a hard, very hard et ultra hard. Ah, et Yashi, tu te bats contre le boss de fin du 1 et du 3. Enfin, le sous-boss du 3 et le boss du 1. Alors, Warang, si tu t'en souviens bien, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. C'est celui qui t'avait fait chier dans le 3. Avec ses pieds, là. Ah oui, ça change, hein. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, là. You win. Je vais essayer de reprendre les lunettes, quand même. Retrouver les combos. Ah, t'avais retrouvé le feu tout à l'heure. Oui, attends, mais quand je retrouve, tu vois. Ah, un coup spécial. J'en avais un dans le bas aussi, là, j'adore les faire. Ok, qu'est-ce que tu fais toi? Ah. Attention, hein, c'est du grand combat là, égal. Bon là, oh oui! Là, voilà, t'as fait ce qu'on appelle un juggle, c'est-à-dire que tu continues à lui foutre des coups alors qu'il est en l'air, donc il peut pas taper. Voilà. Je suis machiavélique. Punition absolue. Oh, ça me l'a fait dans les deux premiers jeux, maintenant je suis pareil. Alors, Gunjack, c'était le robot du Tekken 3. Je crois qu'on a... Terminator, qui m'avait bien assassiné. Ouais, c'était dans les deux premiers que t'avais assassiné. Ouais, c'est ça. La version du troisième, on l'avait pas vu, je crois. On avait pas eu l'occasion de le voir. Alors lui, à chaque fois que je me battais contre lui, si tu te rappelles bien, il faisait un round même pas. En 30 secondes, je le battais. Celui qui réussissait le mieux dans toutes les éditions. D'ailleurs, il a l'air de bien te réussir aussi, lui. Ah, mais là, c'est vachement mieux que tout à l'heure. Voilà. Alors, en fait, c'est une combinaison à trois coups, le one. Dès qu'il en est au 3, et s'il nous la passe, c'est mort absolue. Oui. Mais bon, faut y arriver. Et ce qu'il y a de bien avec Lina, c'est qu'elle est, très rapide. Et là, mine de rien, en prenant Nina Kuro, t'as pris une de mes équipes que je préfère dans, ce jeu-là. Je ne sais plus le coup que je faisais tout le temps dans le bas, là. Je sais plus comment le truc, celui-là. Ah, on a le truc. Alors, je sais plus laquelle c'est mon équipe de prédilection dans cette scène. Il va falloir que je réfléchisse.
Alors déjà, je sais qu'il y a ogre, les ogres version humain. Mais l'autre, je sais plus avec qui. Je me demande si c'est pas le cap, celui qui est de la capoeira là, Eddie. La libération. Ah, la vengeance. La vengeance. On va voir s'il se fait chier encore. Ah non, pas cette fois. Et le robot, c'est le robot du 1. En version métal. Ah, il est beaucoup moins réactif déjà. Ah, une vengeance est arrivée aussi contre lui. Que je rappelle que tu n'as pas pu le dépasser dans le Tekken 1. Et dans le 2, tu y es passé, mais difficilement. Alors de la vengeance a sonné, tu peux y arriver. Rappelle-toi tout ce qui t'a fait de mal. Oh, comment j'ai fait ça. Ah, tu ferais bien le changer par contre. Bon, tu veux pas... Allez. Si j'arrive à mettre au ralenti le petit... Toi au-dessus et lui en dessous, je peux faire quelque chose de sympa. Oh, là aussi. Et il a évité ton coup en chargeant un coup de boule en fait. Ah, mais t'es de la même façon en plus. Bon, on peut dire que lui c'est pas ton pote. Hein. Ok. Stage 3, je crois qu'il y a 8 stages dans le dans celui-ci. Allez. Là, il se protège beaucoup là. Ah, ils sont cassés, ouais. Alors lui, je sais que si tu lui fous un coup de flamme, enfin si tu y arrives, bah, ça lui fait pas grand chose vu qu'il est en métal, il est pas immobilisé en fait. Ça lui enlève un peu de vie, mais il est pas immobilisé. Ce qui paraît plutôt logique. Ah bah tiens, t'as trouvé des flammes par terre. Mais je sais pas comment je fais. Attends, j'ai appuyé sur un bouton, mais je crois que j'en appuie sur 3 en même temps. C'est une combinaison de 3 touches en fait, effectivement. Oh allez, encore un coup, il est bon. Allez. Ouh. Le coup à 3 griffes. Encore, il a fait trop cher. Un petit final round. Allez. Tag Bell. Oh, il est vénère. Ils sont que bloqués. Bats-toi. Allez. J'arrive, boum. Ça, c'était vraiment je suis là. Je suis assommé. Oh putain, il t'a fait écraser. Parce que là on retrouvait de la mina en bouillie, hein, si ça n'était ça. Alors Jack, il a des coups mous, mais là, quand il les met, ça fait mal. Oh, attention, un dommage qui change. Ah, j'ai trouvé un truc, je sais plus comment j'ai fait. Oh. Allez, aux clignettes. Allez, oui. La puissance de clignette est en moi. Alors, oh, ah si, elle y est dans le Tekken Tag 2, la Kunimitsu. Celle avec le masque de chat. Enfin là, ils l'ont transformé complètement. C'est pas du tout son vrai costume, ça. Elle est dans les deux premiers Tekken, mais on n'a pas eu l'occasion de la voir. Oh. Je crois qu'il a pas aimé. Il est arrivé, le pauvre, il s'est fait un coup de pied. Vous voyez, même dans les jeux, ça nous retranscrit la douleur que l'on a quand on prend un coup là-dessus.
T'es sûr qu'au Greenet ça va pas lui... ça va pas lui faire mal. Oh, pas toi. Ah, la bagarre entre filles. Souvent, hein, les bagarres entre filles, c'est plus hargneux, en général. Nous, on vend un bon coup et puis c'est terminé. Les filles, c'est tout le temps sournois, ça n'a même pas les petits coups, c'est... J'ai assassiné. Oh, le dernier coup, là, je crois qu'à la fin de l'arcade, en plus, il te remonte à chaque fois les... En replay, le dernier coup qui te fait bousiller. Alors lui, à chaque fois qu'il rentre, il prend trop cher. Le pauvre... Dans les couilles, dans la figure. En même temps, il rentre en courant, il est toujours de passe. Bah, c'est un lutteur, quoi. Il est obligé de rentrer dans le tas, j'ai envie de dire. Sauf que là, c'est plutôt lui qui rentre dans le tas contre lui. Tiens. Là, tu vois, là, vu qu'elle a pas de couilles, elle a pas fait... Oh. Je suis déjà fait exactement le même coup. Faut dire que Nina, elle a des talents aussi, un talon aiguille. T'imagines te battre en talon aiguille, déjà que t'as du mal à y marcher avec, alors te battre. Je me débrouille très bien avec des talons. Alors on se calme. J'aimerais que tu vois, toi. Bah, j'ai déjà fait une fois pour un déguisement, oui, bah, plus voilà. Jamais. Mais bon, on n'a pas le même équipe que vous. Oh là là, de suite, là. Ce qu'il faut pas entendre. Alors, dès qu'on vous avantage, ça va pas. Oh, allez, deux fois KO pareil. Oh, attention, on enlève son suite là, ça va chier. Oh, ma copine. Ma grande amie. Oui, je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, June est, on va dire, la boss finale en round 1 de Tekken Tag 2. Et à chaque fois... À chaque fois qu'elle est en mode diabolique, c'est moi qui me la paye. Voilà. Et à chaque fois, je me fais assassiner. Bon, dis-toi qu'elle est pas en mode diabolique. Bon, là, par contre, le vieux, il est hargneux, là. C'est un mec touché, regarde ce que j'ai enlevé. Tu sais qui c'est, en plus? C'est qui? C'est l'entraîneur de Miss Pompon. Non, Miss Pompon qui égale à Xiaoyu, ouais, si vous n'avez pas regardé le Tekken 3. Oh là là. Vas-y, tu peux y arriver. Elle ne se transformera pas, là. Encore heureux. Ah, elle est en train de m'assassiner. Oh, elle allait faire le coup que tu avais fait quand tu l'avais pris tout à l'heure. Là. Ah oui? Ouais, le coup enroulé, là, qui quand si ça te passe, ça t'enlève la moitié de tes vies. Ah, en plus, là, c'est deux persos rapides qui sont contre toi, là. Heureusement t'as Nina parce que Ogrinette, malheureusement, question rapidité, c'est pas ça. Allez, il a retourné Miss Pompon, tue-le. Oui. Ah là c'est chaud là. On est au rang combien là? Stage 5? Stage 5 sur 8 ou 9, je sais plus. Je crois que c'est 8. Hein. Oh oui. Boum. Tourne-toi, tape-le, fais quelque chose. Je me suis mangé le mur. Enfin le plancher plutôt. Il n'y a pas de mur hein, dans ces Tekken là encore. Ça arrive au prochain, ça ira au prochain au cas. Oh, en mode je me casse. Ouais voilà, ben face à elle, j'ai pas le choix. Il va falloir changer là. Parce que là, le moindre coup, c'était fini. Et en final round, je crois que c'est important. Et un petit détail que j'ai omis de te dire, c'est que ceux qui combattent pas, eh ben, ils se régénèrent un petit peu des vies. Oh, merci au Grinette. Voilà. Je vénère ce personnage. Avec le coup du serpent là. Mais je sais plus comment on le fait, je le fais au pif. Quand tu fais triangle, elle tape avec son serpent, son bras en forme de serpent. Juste triangle. Juste triangle. Oh, après ça fait un coup plus ou moins fort hein, en fonction des combinaisons de touches que tu fais, mais dès que tu appuies sur le triangle, elle fait un coup avec son serpent. C'est un coup de base hein, de ce terme. Oh, mais c'est bien ça. Ouais.
Oh Alex. Et l'autre c'était Michel, ça te rappelle rien Michel? Si là je me rappelle. L'espèce de petite indienne qui t'avait fait chier à Tekken 1. Tu l'avais battu mais t'avais resté intéressé je sais pas combien de temps. Pocahontas, oui. Pocahontas, ouais, c'est ça. Ah voilà le serpent, qu'est-ce qu'il y a? Là Pocahontas. Va dans l'air du vent. Ah. Oui, ma grignette. Elle est trop mignonne. En plus, t'as pris son costume où elle peut être à peu près mignonne, tu vois. Oh, j'ai fait un peu. Oh, la baffe. T'as pas fait la missile. On dirait deux colocataires, c'est. Allez, le reptile, là, c'est bon. Trois. Deux en même temps. Ah, lui apparemment il a des couilles. Je suis heureuse de savoir. Ah bah, je sais pas, vu comme il était pas bien quand tu l'as donné. Ah, tu as fait un coup spécial serpent, ça c'est bien ça. Allez, Pocahontas. Elle la prend comme ça, ça l'immobilise et puis après clic. D'accord. Mais c'est pas fait exprès. Bah écoute, ça a marché. Avant dernier stage, ouais, c'est ça. Eh, hey, c'est pas mal, j'ai battu mon record. C'est ça. Regarde, tu vas voir, il est tout seul. Mais où est passé l'autre? Ça pue, ça veut dire qu'il va se transformer. Bah oui, c'est, ça fait partie de son perso. Oui, de ville, c'est Kazuya qui a transformé en fait. Donc c'est juste une animation, hein, sinon ça marche exactement de la même chose. Oh, wow. Oh. Alors sachez que le sous-boss change en fonction du personnage que vous prenez. Voilà, en fait au lieu qu'il parte en arrière, il se transforme juste, mais sinon c'est exactement la même chose. Ils ont fait une petite animation sympathique. L'animation qui nous. Oui, c'est sûr. Mais l'animation. Ils l'ont pas forcément remis avec Jin et Devil Jin dans le Tekken Tag 2, ce qui est dommage. Parce que Devil n'est pas un personnage à proprement parler jouable dans le 2, puisqu'il faut. C'est un coup spécial de Kazuya. Il faut faire une combinaison de 3 touches pour qu'il se transforme en Devil comme ça. Et il te tape dès que tu commences à frapper. Bim. Oh, c'était chaud là. Et là t'as les deux, t'as les boss de Tekken 2 réunis quoi. Il faut dire que j'ai quand même gagné un round, c'est pas mal. Ouais. Et ça prouve aussi que la difficulté baisse en fond, dès qu'on arrive dans des jeux plus récents. Quoi. Ouais c'est ça. Oh je sais, moi j'étais moins mieux que là, ça explore là. Là c'est une. C'est magnifique. Allez, les démons entre eux. D'ailleurs je crois que la cinématique de fin de Trou Ogre de Grinette mélange Devil et lui-même. Moi du coup, vu qu'il n'y a pas de trame officielle, je pense prendre quand même Jin, vu que on va dire que c'est l'un des plus. J'ai gagné. Le stage principal. Oui, t'as gagné. Mais il reste encore un stage, tu vas voir qui c'est. Attention, reste calme. Oula. Oh non, oh si. Oh non, oh si. Oh mon dieu. Regarde qui c'est. Oh non. Oh, Prael. Bon, alors le loup ne sert à rien derrière, il reproduit juste les mouvements de L. Alors la capacité de Hulkmound dans Tekken, c'est que t'appuies sur un bouton, elle change de style de combat d'un autre gars en fait. Bon, nous on peut pas le voir puisque c'est le CPU qui le contrôle. Mais si nous on la contrôle, on appuie sur le joystick droit, et ben elle change de style de combat. On peut passer d'un Eddie à un Lao par exemple. C'est assez sympa. Et là il n'y a qu'un seul round par contre. Dès que tu l'as cuit une seule fois, c'est fini. Non. Aïe aïe aïe. Elle aussi d'ailleurs, si elle te cuit une seule fois, c'est fou. Oh, merde. C'est presque. C'était presque. Oui, continue. Ah non, rends-moi mes persos. Ah, ça va chier.
Vais-je finir le stage? Sa pire ennemie, c'est elle. C'est une catastrophe, c'est vrai, je peux plus la voir. Elle est juste dans les épisodes de tag. 4, 5, 6, tu la verras pas. Ouh, dommage qu'elle est bloquée. Mais casse-toi! Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis là, vu qu'un round gagnant. C'est ça passe ou ça casse là. Elle commence à m'agacer celle-là. C'est un petit peu la surprise du chef, pour te la donner. Ah ouais, super la surprise, là, merci. Je l'ai pas dit exprès. T'as aucune saloperie, franchement tu m'énerves. Et ça l'amuse en plus, quelle saloperie. Mais c'est tellement drôle en me rappelant de comment tu, à chaque fois tu la prends en combattant. Parce qu'en général, quand on joue Tekken Tag 2, on fait une équipe à deux. À nous deux en fait. Elle en prend un, j'en prends un et puis on switch. Et c'est assez aléatoire le CPU qui choisit son combattant. Et à chaque fois que c'est un clown, c'est toujours pour Yuma. Casse-toi. Oh le coup de stress. Ah, elle a pris l'attaque de là-haut. Ouf. Oh là là, oui, elle est. Allez, t'as pas là. Oui, allez. Oui, allez. Attends, oh. Attends, oh. Oh. Allez. Eh non. Ah, c'est pas vrai. Oh non, finesse. C'est pas possible. Et jusqu'au bout, elle te trouve. Je vais pas y arriver. J'aime bien l'animation du loup. Ils l'ont pas gardé dans le 2, mais... Ça fait sympa. C'est vraiment démoniaque. Bon, après, on sait pas grand-chose de ce loup, mais... Ça fait stylé. Ah, tu as fait le coup du serpent. On a le tenait cher, là, par contre. Il va falloir changer. T'abandonnes? Ouais, j'en ai marre. Ça y est. Un gnome aura battu Yuma une fois de plus. Ah non, elle prend la manette des mains. Nouvelle chance. Je crois qu'elle a pas aimé que je lui dise que Alknown allait gagner. Si vous aviez vu comme elle m'a pris la manette des mains trop vénère. Oh putain. Oh la rancœur. Je me déconcentre pas. Mange le gravier. Alors vous savez, hein, chers auditeurs, que si vous voulez vous énerver Yuma, c'est pas bon pour vous. Je vous conseille pas d'essayer. Ah, on commence à rentrer dans le rouge pour un clown. Allez. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Oh mon dieu. Ça y est. Eh bien bravo. Tu vas pouvoir regarder la scène de fin de Nina Williams. Après avoir regardé tout tes KO. Oh, alors, c'est beau. Alors en plus on a les chronos. Stage 1, 1 minute 14. Ah, je suis fier de moi. Regarde ça. Boum. Alors lui à chaque fois il aura pas fait long feu, que ce soit avec avec moi ou avec toi, selon chaque Tekken, minute 28. Ah la vengeance aussi, la vengeance. Qu'est-ce qu'il a vu plus cher? C'est beau, c'est 3 minutes 13, alors lui par contre il a bien tenu. Ouais.
Oh, regarde ça, regarde, c'est pas alors, beau. Elle, par contre, je crois que c'était Edith Expédié. Ah, en 2008, quand même. Ah, non, toi, j'avais pas mal de... Alors, lui, il a fait un round sans rien. Il a pris trop cher. 2003. Ça va. Page 6. Ah, Poker Test, regarde ça, beau. Pareil, une belle vengeance. Dans la nature. T'as mal, hein. 1 minute 10, ouais, tu as vite expédié. Kazuya et son démon. Ah, j'avais un peu chié là quand même. 1 minute 50, ça va. Ça va. Et enfin, la finale. Combien? Voilà, évidemment, ça va être des proportions. 3054, ce qui fait un total de 17 minutes 04. Plus de la moitié de la vidéo, il va falloir que j'aille un petit peu plus vite. Et oh, j'ai terminé, ok. Alors du coup, regarde la magnifique scène finale. C'est sa sœur Anna, je sais pas si tu te rappelles. Oh, pas du tout. Et elles sont ennemies. C'est-à-dire qu'elles travaillent dans des camps opposés à chaque fois. Évidemment, comme tu es sournoise, hein, tu lui fais une clé de bras, quoi. Voilà. Ah, j'adore. Ah, c'est beau, la famille. Ah, j'adore ça. Ah, c'est magnifique. Bon, bon mon premier stage terminé. Eh oui, premier jeu terminé. Ça y est. Voilà, je l'ai fait. Mais c'est parce qu'il y avait Ogrinet, ça. Ah, voilà. C'est l'effet Ogrinet. Ouais, c'est ça. Oui, parce que dans le 3, elle est jouable, mais j'avais rien débloqué, vu que c'était une carte mémoire vierge. Oh, panda! Non, mais celui-là, quoi. Panda. Avec Roger! Alors, sachez que quand vous commencez le jeu et que vous avez ce cinématique, c'est avec les humains, ils ont fait exactement la même en finissant le jeu avec les animaux. Mais panda, quoi. Avec Miss Pompon, non, mais alors là... C'est le panda de Miss Pompon. Allez! À moi. Bon, alors moi, vu qu'il n'y a pas de scénario à proprement parler, ben, je crois que je vais prendre au hasard. Allez, soyons fous, on va prendre au hasard. Oh, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Ouais, mais bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on la contrôle, le premier style de combat qu'elle prend, c'est celle de June. Et moi, vu que je sais pas bien la contrôler, June, surtout dans celui-ci. Voilà, on va changer. Ça, ça me fait bizarre de pas le voir avec Kazuya. Ouais, c'est ça. Mais Kazuya, c'est pas celui que je contrôle le mieux dans celui-ci. Dans tous les autres, oui, mais bizarrement, dans celui-ci, ça passe moins. Ah ouais. C'est pas vrai. Oh. J'ai du mal à être trouvé comme son personnage. Hein. Et en plus, je l'aime pas. Même quand c'est clair, ça passe pas. Je crois qu'elle a pas aimé. Je crois qu'elle a eu mal. Regardez-la. On peut pas être aimé, c'est pas. Ah, là j'ai les attaques de Bruce, hein, que je contrôle très bien dans celui-ci, donc c'est parfait, on va garder ça. Oh, j'étais pas loin du perfect! Puis ici, faire un perfect en... Oh oui! Joli. Faire un perfect dans un tag, c'est assez chaud vu qu'ils font en bas de 2. Bon. Tiens, on l'avait pas vu le poilu là. Paul! Non. Avec sa coupe gratte-ciel. Paul. Ah bah Bruce, c'est très bien, allez je reprends lui. Bonjour, je suis là, boum. Ouais, c'est ça. Un peu comme moi, c'est qui me rentre dedans, mais... c'est mais ça. C'était Jaguar. Oui. Jaguar qui rentrait et qui se prenait un coup de pied. Armor King. Armor King, c'est ça. Oui, parce qu'il y a deux Jaguars, il y a celui avec la tenue en armure, Armor King, et celui en tenue normale qui... D'accord. Bon, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est plus cher. Oui, voilà. C'est juste que King est un petit peu plus rapide, vu qu'il est plus jeune. D'accord. Mais Armor King a des coups un peu plus puissants, vu qu'il est plus lent. C'est tout ce que ça change. Bim.
Alors j'ai des attaques de mon coéquipier, donc c'est comme si j'avais deux fois lire. D'ailleurs je vais prendre. Voilà. Alors là il fait vraiment en mode je suis là quoi, mais... Ah la team d'enfer. Oh c'est tellement dommage que Yuma les ait pas eu. Oh y'a de Funkle dans son panda. Mais Panda me dérange un peu moins, je l'ai trouvé extrêmement pathétique. Miss Pompon m'énerve au plus haut point, c'est une catastrophe. Ça ne passe pas. Mais regarde là. Ah oh, j'ai les attaques de Warp. Là. Tiens. Mais c'est le bleu là. C'est toute couette, mais regarde là. Je crois que c'est physique. Ouais c'est physique, c'est tout. Là, par contre elle me met cher la petite. Ah c'est beau. Lui n'aura pas perdu un seul point de vie. Je crois qu'il est clean depuis le début, tu sais. Gli il a rien pris du tout. Par contre je suis en train de faire de la maltraitance sur animaux. Hein. Oh dans le coup il s'en fiche. Hein. C'est pas terrible quand même. Ah ben là j'ai l'attaque de King justement, on en parlait il y a deux minutes. Olé ! Oh il fait mal celui-ci. Tu as énervé Panda. Oui. Avec son œil jaune, mais regarde-le lui aussi. Là. Là. Là, Panda, il aurait pu être parfait s'il avait traîné avec, je sais pas, Li, par exemple. Il aurait eu une belle petite veste en cuir plutôt qu'un nœud jaune, là. Li qui a pas pris un seul coup depuis le début, il me semble. Je sais pas, peut-être au stage 1, mais... Peut-être, ouais. Parce que là, sinon... Ah, il s'est fait chier. Le seul type qui va revenir d'un tournoi d'art martial sans le moindre cocard. Tranquille, pépère. On va changer. Ah ça y est, c'est arrivé. C'est pris un coup. Ah dommage qu'il s'est pas passé. Ouh mais je prends cher là. Oh ! Ah c'est comme ça ! Ah c'est comme ça ! Oulala, KO élevé ! Non, vu sa tête, il est pas énervé. Il est encore en mode ça. Non, je veux pas des attaques de jaune, s'il te plaît. Je veux changer. Voilà. Ah j'ai les attaques de celui qui faisait chier tout à l'heure. C'est celui qui dormait quand tu étais en mode very hard. Ouais, ouais very hard. Ah mais ça c'était quand même exceptionnel. C'est rien d'avoir que j'en chie, c'est normal. C'est ça. Bon on aura bien rigolé d'un côté. Ah parce que ça s'amuse. Ah bah c'était drôle, hein. Je suis sûr que les gens ils vont rigoler quand ils vont voir ça. Non ils vont avoir pitié de moi. Oh putain. Ah oh, le vieux coup chargé. Continue. Ah bah j'ai fait un game over. Genre. Il est où? Yeah. Ah bah j'ai changé de costume, voilà. Non, je préférais l'autre. Là, c'est son costume officiel, celui que j'ai. D'accord. Hop là. Alors j'aime beaucoup les gens qui tournent avec toi. Pourquoi? Mais si tu regardes bien quand tu avances, les gens tournent avec toi. Ah oui. Oui parce qu'il n'y a pas de fond dans celui-ci. C'est le dernier Tekken où il n'y a pas de fond. Dans les autres, les murs interviendront. Mais en fait, c'est excellent. Je trouve ça vraiment trop bien. Tu vois les gens qui tombent comme si c'était sur un tapis roulant. C'est ça. C'est super. C'est énorme. Putain, ils sont chiants de leur mettre les attaques de June.
Ah bah là j'ai les attaques de Michel, c'est Pocahontas. Ouais. Donc toi elle va t'attaquer avec grand-mère feuillage. Là! Non mais oh! Il fait perdre du temps, c'est con. Ah, oh, Jean! Notre héros meurtri du Tekken 3. Ah, il te bouge. Hein. Oui. Regarde, c'est maman, tu me reconnais pas? C'est maman! Bon, maman un peu démoniaque, mais... Maman, t'es pris un petit peu cher, hein. Je suis toujours ta mère. Maman qui d'ailleurs ne fait des trucs avec du violet. Regarde, j'ai adopté un loup. Oh, tu plais bien. Il ne me quitte plus. Il ne me quitte plus. Il est plus spécial de temps en temps. Il est méchant. Je crois qu'il est facile. Non. C'est bien parti quand même. Je te laisse deviner à qui appartient le terrain. Nous sommes deviner dans tous les persos. C'est un terrain qui appartient à un personnage. On avait pas un qui voulait monter un pari d'attraction. Si, c'est ça. Ouais. C'est... Mais je suis blessé. Oh, mais si. Tu l'aimes pas. Mais la plaie, j'aime pas. Oh, bon, enfin là, je crois que c'est le... On va dire que c'est le pompon. C'est pas le pompon. Oui. J'ai dit qu'elle s'inscrivait dans le troisième épisode parce qu'elle rêve d'avoir un parc d'attractions. Ah oui, c'est vrai. Ah, moi je voyais un autre personnage. Eh ben non, c'est Claire Oyo. Non. En fait ils se sont pas foulés, ils ont fait un petit peu un mix de des terrains des trois premiers Tekken et puis ils les ont fait en mode HD quoi. Enfin en mode HD, en mode PS2. Et ouais, en stage 6 en plus. Toi tu l'as eu en stage 7. Oui, les sous-boss sont choisis en fonction des persos qu'on prend, hein, je l'ai déjà dit. Donc moi, vu que j'ai un clan, à mon avis, j'aurai Ogre en stage 7. Je pense. Et c'est qui mon autre perso? C'est Lee. Ah bah, j'aurais peut-être Kazuya, du coup. Parce que vous savez, je crois que je vous l'avais dit, que Kazuya et Lee sont demi-frères et qu'ils se ne supportent pas du tout. Ou alors j'aurais Hayashi, mon père adoptif, que je ne supporte pas non plus. Soit l'un, soit l'autre. Et Ogre, par contre, je suis quasiment sûr que je l'aurai. Voilà, oui. Lui, à chaque fois, ils font cher. Ouais, c'est clair. Là, il a fait la même chose que tout à l'heure, il est rentré en courant et il s'est pris un coup de poing. Alors là, j'ai changé de perso, alors je ne voulais pas, je voulais juste changer de style de combat. Mange de la neige. Ah là j'ai les attaques de Brian. Brian qui est intervenu dans le Tekken 3 qu'on n'a pas vu puisque c'était un personnage débloqué. Pas débloqué. Oh putain, il est cher ce con. Hop là, un petit coup. Un petit coup à deux, j'en avais pas montré encore. C'est tellement facile pour KO qui s'amuse même à faire des petits coups à deux comme ça, de temps en temps. Entre moi, je sais toujours pas comment on fait le jeu par exemple, hein, voilà. Oh le con. Avec Ogrenet. Ah, il en avait marre de se faire assassiner. C'est ça. Du coup, dans un dernier élan d'espoir, on avait le même style de combat, dis donc. Oh, on était trop swag. On faisait exactement la même chose. Trop swag. Non mais d'où tu sors ça, toi? Je sais pas. Première fois que je dis ce mot de ma vie, je crois. J'espère que c'est la dernière. Eh, j'avais peur. J'avais dit qu'il y avait Kazuya, donc je m'étais pas trompé. Et j'avais dit qu'il y avait peut-être Hayashi, mais à la place de Kazuya. Y a pas Ogre. Je pensais pourtant.
Ils ont pas mis Ogre pour te laisser une chance de gagner. Ouais, je sais pas, mais... C'est un petit peu le seul perso qui est en relation avec Ogre. Mais... C'est bizarre. Pourquoi ils ont mis... J'ai pas mis longtemps à avoir le round 1. Hop là, une petite danse. Je danserai pas avec toi. Tu danses bizarrement quand même. Pourquoi, t'aimes pas le gravier? Non, pas trop. T'aimes pas manger de la terre? Non. Ça va, je m'en passe. Ah non, c'est... J'ai pas un bon perso en attaque. Vite, casse-toi. Et oui, nous sommes frères, nous nous aimons. C'est beau l'amour. Et papa, pourquoi tu l'aimes pas non plus? Le mal-aimé. Bon d'accord, je suis adopté, mais quand même. Oh là là, putain. Ah ouf. Oh. Un peu plus. Et c'était la fin. Ah bon, on va voir son autre costume. En nuisette démoniaque. Oh mon dieu. Round one. Fight. Je la trouve beaucoup plus démoniaque comme habillé comme toi. Ça y est, direct, hein. Ah moi j'aime bien avec sa bouillasse moi. Ça fait costume officiel. La musette, je trouve ça bizarre. Ça fait glauque quoi. Mais ça fait vraiment la maman qui a eu un problème quoi. C'est clair. Bien déchiré comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, mais je prends un peu cher là. Bon, je tiens à dire que l'équipe que j'ai, c'est vraiment pas les deux persos que je préfère ou que j'ai mieux contrôlé. Hein. Allez, trouve ça des esquives. C'est vrai. Ça y est. Il y avait pas même du coup des petites esquives. Tous les personnages. Tous les meilleurs. Incroyable. Ah. Allez, KO, une croix. Ah, ah, elle s'est relevée. Là, ah, couché. Mon loup est plus fort que le tien. Et là, tu suis saine. Ah, bah ouais, là, du coup, il monte la scène avant. C'est la seule... C'est la seule scène cinématique de ce jeu en 3D, comme ça. Alors on voit qu'il a un appétit de loup. Oh, c'est drôle. Vous commencez vaguement un peu plus sur le statut de Knorr, mais pas tant que ça en fait. On sait d'où vient la bouillasse du coup maintenant. Waouh. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur Knorr. Voilà, on va faire un mini tour. Sur le menu avant de se quitter. Alors Vest Battle, c'est un contre un à deux joueurs tout simplement. Team Battle, c'est des équipes de 1 à 8 contre 8. Time Attack, c'est exactement le mode arcade mais contre la montre. Survival, il faut battre le plus d'ennemis possible sans perdre. Et on reprend un tout petit peu de santé. En fonction de ce qu'on a perdu ou pas. Donc one on one, évidemment, c'est un contre un. One on one, c'est à deux. Practice, c'est pour s'entraîner. Et Tekken Ball, c'est un mode bowling. C'est un mode bowling, tout à fait.
Je serais presque d'avis d'en faire un viteuf, mais bon, je sais pas combien de temps ça fait. Je crois que la vidéo va durer un petit moment, donc peut-être plus tard. Et puis Theater, et ben c'est pour visionner les scènes de fin, plus toutes les musiques de tous les stages, qui est vraiment bien. Parce qu'il y a des musiques vraiment sympas. Et galerie, c'est si on a pris des photos. Alors moi, j'avais pris des petits screens. K.O. qui prend des photos. Quoi ? Voilà. Oh, magnifique. Là, c'est quand j'avais découvert comment ça marchait. J'en avais pris 4. Oh, et je crois qu'en plus, j'en avais pris 3 de la même chose. Je voulais voir une photo quand voilà, Kazuya se transforme. Oh, je voulais voir. Je voulais voir s'il y avait un morceau du violet en bas et de Kazuya en haut. Bon, je suis pas arrivé. Elle a pris cher quand je me transforme. Et non, en fait non, c'était juste parce que j'avais envie de le voir prendre cher dans la figure, quoi. Bon bah voilà. Le meilleur job était incroyable. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, on se sera bien marré. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine pour le Tekken 4. Salut tout le monde. Et à bientôt tout le monde.